Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Donc nous sommes partis pour un petit Phasmophobia. Lançons ça tout de suite. C'est partouze. Faut régler le son, comme d'hab. Oui, j'arrive, j'arrive, c'est bon. Voilà. Rejoindre, coller depuis le presse-papier. Voilà, je suis là. Ah, vous voulez faire l'école en professionnel? Hein? Johan? Moi je me suis muté hein, sur Ouais, moi je Discord. me mets Et Discord oui, on va aussi. faire l'école en professionnel parce que bon, je me dis que maintenant il serait peut-être temps qu'on commence à faire des grosses maps. Parce que faire Un toujours les peu comme mêmes, ma c'est bite. chiant, tu vois, c'est. Genre tu vois par exemple l'asile je l'ai jamais faite et j'aimerais bien la faire. Ouais, mais L'asile, nous, elle est en fait, on n'a pas vraiment trop envie de la très faire. dure. L'asile est Non vraiment mais très très au pire même compliquée et non mais au pire énorme. sinon. Ouais mais je sais qu'elle est énorme mais justement c'est ça qui est bien c'est que la partie pourra durer plus longtemps. Non, non, Bah, c'est très très chiant, je peux te le dire, on c'est trouve très que très c'est chiant. vachement plus ennuyeux en fait. On s'ennuie vachement plus sur l'asile parce que du coup il y a trop de choses à faire. Et voilà. C'est assez compliqué à jouer comme map. Avec Lucien, on a fait l'asile. Et on s'est retrouvé à se faire attaquer limite toutes les 10 secondes. Et au final, ce putain de fantôme s'est trouvé dans une putain de cage d'escalier. Et alors, on s'est fait attaquer toutes les 10 secondes. Donc, impossible de déterminer quel fantôme c'est, du coup. Non, c'est vrai Bah si t'as qu'elle attaqué est toutes les 10 très. secondes. Bah après moi Elle je est assez dis bah pénible comme map. l'école en professionnel. L'école en professionnel ça va. L'école est pas L'école si ça grande va, que mais ça. l'asile. Mais l'asile non. Mais avec L'école ça l'asile va, on elle l'a est fait pas en trop trop amateur. grand. Mais l'asile ouais elle est vraiment énorme quoi. Avec Lucien on l'a fait en amateur, tu vois, se faire attaquer toutes les 10 secondes en amateur, c'est très très chiant. Vous en avez mis du matos, les gars. Les deux thermomètres, ça sert à rien. Hein. C'est qui a mis un thermomètre en plus? Le sel, c'est pareil. Hein. 2 sur 2, ça sert pas. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Hein. Juan. Dites-moi ce que je retire, hein, parce que moi je mets et après. Les bougies, vous en avez besoin? Les bougies, ça peut servir, oui. Non. Oui, si, 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 oui. Mais ça, je peux les mettre à la limite les bougies, Je hein, vous si mets tu les veux. deux que j'ai. Bah, je vous mets les deux que j'ai, non, bon. J'en ai 4, ouais, J'ai je mis un peux. autre appareil photo, au cas où. Ouais, ça peut servir, ouais. Les deux thermomètres, faut les enlever. Il y en avait qu'un, hein. Moi, j'ai retiré, Ah hein. bah, il a été Moi, j'ai retiré. Il y retiré, en hein. a un qui a été remis, ouais, parce que. Il y en avait un de Retire ton retiré thermomètre, quand s'il te plaît. Bon, faut que tu retires ta. même. Moi je propose un truc. Moi je propose un truc. Moi je propose un défi. Si vous êtes prêts à le relever. Allez,
Empêchez-vous. Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous acceptez mon défi? Ça dépend ce que c'est comme défi. Moi je dis, dans toute la durée du de la game, si elle répond à tout, si le fantôme répond à tout le monde, on doit uniquement, et je dis bien uniquement, rester à deux. Rester à deux? Tout le long de la partie. C'est-à-dire rester. Et si jamais elle répond toute seule, c'est chacun pour sa gueule. De toute façon, on est obligé. Moi je dis, pour faire les types, moi je me mets avec Spincro. Ah ouais, tu te mets même pas avec moi, non mais d'accord, ok, ok. Mais ah bah tu veux que je sois avec toi? Je retiens, non mais je retiens. Ah bah vas-y, je... t'as choisi là, bah, je me mets avec toi. Non mais puis c'est tout, je sais pas. Okay, bah okay. Je me mets avec toi, écoute. Y'a pas de problème mon amour, je me mets avec toi. Non mais franchement non, c'est pas une... je sais pas si c'est une idée terrible, terrible mais... Bah ça pourrait être sympa au moins, tu vois. Tu fais une type de deux, deux teams de deux. On attend plus que toi, justement, monsieur Power 546. Ah non. Ton jeu a vraiment crash? Non, mon jeu a plus crash. Mais non, tu vois. Parce que moi, monsieur, j'ai un ordi 3K Hello. Rien à voir. Je sais pas, en vrai, il avait planté. Du coup, ça, il avait planté, puis d'un coup, ça s'est lancé. Écoute. Il est resté longtemps à 90%. Moi, j'ai jamais vu le chargement. Genre, ça m'a direct TP là. À l'école du coup. Coucou. Un peu comme ma bite. Ah. Un peu comme ma bite. Ah. Ah, si t'es SMR, tu peux arrêter, ça serait. Ça marche ton voicepod au fait, toi? Bah moi oui. Non mais je parle à Rogué. Okay. Non. Et j'adore le Zboob. Oui j'adore le Zboob. Ça fonctionne pas. Hein. T'abuses franchement. C'est pas de ma faute. Je sélectionne bien face. Je sélectionne bien voice mode sur le micro. Et quand je fais donnez-nous un signe, ça met nous vous avons entendu. Mais quand je vais mettre mes sons, ça fonctionne pas. C'est bizarre. Vous l'avez votre petit con hein. Non, attends, moi je me mets Roof Michel tout seul. Roof Michel, Kella. Roof Michel, Kella. Je vais me faire niquer ma chaîne Twitch. Tu penses qu'elle est strikée cette musique? Toutes les musiques, j'ai deux musiques, les deux. Enfin, j'en ai une que j'utilise tout le temps. Alors, tu sais, moi, sur Twitch, je me suis fait striker une partie d'un stream. Avec une soi-disant musique qui il y a que des dialogues en fait sur la partie qui m'ont. Potage du fantôme, température sous 18 et capteur de mouvement. C'est qui a pris personne seul, Lisa Miller. Lâche-moi ça, c'est mon thermomètre. Oh, tu veux le mettre? C'est mon thermomètre. Mais non, je fais toujours le MF et le thermomètre, je sais faire que ça. Tu fais chier. Non, mais j'ai besoin du thermomètre moi tout le temps. Oui. Je me fais du lit. Non mais t'as le MF, t'as deux choses qui te permettent de savoir où est un fantôme, mais moi j'en ai zéro. Je fais comment? Bah tu fais ta suspicion. Non, je prends le thermomètre. Je crois qu'on est en pro là, donc on peut ouvrir. Oui. Je
je vais en avoir volé une. Parce qu'ils veulent faire deux teams, mais bon, on va en faire deux. Ouais, non, je on fait pas deux TP, teams. Moi. Vous avez pris la clé? Est-ce que la clé a été prise? Je sais pas. Non. Non. Bonne abruti. Là, ça me fait penser à quelque chose que quand TP il prend la photo, la preuve ADN, mais qu'il la récupère pas. Tu t'en souviens de celle-là, TP? Alors, je veux pas dire les mecs, mais en partie solo, est-ce que vous pouvez vous dire que vous avez gagné $235 sur une seule partie en faisant la totalité des objectifs et en ayant ouais. aussi de l'assurance sans être mort, franchement. Oui. Comment elle s'appelle? C'est Lisa. C'est Lisa quoi? Lisa Miller. Lisa Miller. Pourquoi personne seule? Lisa Miller. Mais elle est arrivée. Personne seule. Lisa Miller. Lisa Miller. Es-tu là? Donnez-nous un signe. Coucou. Les amis Miller, vous êtes là? Oui, c'est là. Les amis Miller. Pardon, j'ai le thermomètre, c'est vrai que c'est vachement utile. Mathis, tu peux pas comprendre. Les amis Miller, êtes-vous là? Vous avez donnez-nous un signe, s'il vous plaît. J'en ai pris une. Ouais, j'ai pris deux caméras frontales, ouais. Ah, bah, j'en ai pas pris. Je t'en ai volé une, alors. Lisa Miller. Non, mais y'a pas de problème, t'inquiète, hein, je vais pas t'insulter parce que t'en as pris une. Moi, apparemment, j'avais posé mon dispositif de caméra. Je vais me fier dessus, parce que ce jeu est flippant. Et tu pouvais fermer ta gueule. Ta gueule. Ah, je vois quelqu'un. Les amis, heure, donnez-nous un signe, s'il vous plaît. Alors, on va avoir besoin de plus de précision ça, hein, parce que bon. Je vois quelqu'un, ouais. Et j'adore le Scooby, oui, j'adore le Scooby. Et j'adore le Scooby, oui, j'adore le Scooby. Et j'adore le Scooby, oui, j'adore le Scooby. Qu'est-ce qu'il dit? Il est sorti en même temps. J'entends pas ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Putain le gymnase, il fait noir, j'aime pas le gymnase. Où sont les lumières dans ce putain de gymnase? Dans ton cul. Pic d'activité à 6 les gars. Les amis, l'heure, donnez-nous un signe. Je trouve un arbre mort, c'est quoi ton wicket? Je me demande si elle est pas à l'étage. L'étage, c'est trop. Oui, bah ça me va bien qu'elle soit à l'étage. Moi, personnellement, ça me va pas super. Les amis, l'heure, pouvez-vous être à l'étage? Donnez-nous un signe. Y'a personne qui a trouvé une table de Ouija. Donnez-nous un signe. Non. Moi je dis peut-être TP que Lisa Miller est peut-être attirée par le Zboob. Essaye toujours. J'ai déjà essayé. Donnez-nous un signe. Les amis, l'heure, donnez-nous un signe. J'ai trouvé la table de Ouija dans les chiottes à l'étage. Bof, j'arrive. Où êtes-vous?
C L Classe. C L A S On a donné des classroom, chiffres. Classroom. Oui, classroom, elle va te donner des chiffres. C'est la classroom. 2. 7. 27. Classroom 27. Numéro. Parce qu'en plus ça risque de nous faire repérer quand même. Je crois que ça l'a énervé la table de Ouija. C'est la 27 parce que je suis sûr que j'entends des bruits à côté de moi. Oui mais c'est la 27. Et la table de Ouija c'était marqué qu'elle était dans la classe 27. Mais comment on les a les numéros de classe en fait? Ils sont où les numéros de classe? Normalement les numéros de classe normalement ça devrait être affiché à côté des portes non? Je crois qu'on a la classe 27. C'est celle-là? Donnez-nous un signe. Je descends en dessous de 10 degrés dans cette salle. Ce qui serait pas impossible, on l'a entendu à côté de nous. Oui, on l'a entendu très proche de nous, donc c'est pour ça que j'ai vérifié autour de nous. Et puis je crois que c'est celle-ci parce que je vais à 3, 6, 5, 5, 3. Louer le fantôme. Vas-y, arrive. Bah moi je suis parce que élément, dans les objectifs dans les objectifs c'est marqué qu'il faut qu'on prenne une photo du fantôme. Donc et il faut qu'on le détecte avec le détecteur de mouvement. Avec TP on aurait marre pu la prendre. Je l'ai même pas vu moi, je t'avoue, je l'ai même pas vu. Elle marchait par terre TP. C'est un rampant ce fantôme. C'est la meuf ou qui fait mal là, tu sais. Ah, ok.
Alors le MF il détecte pas grand chose. Par contre on a la porte de la classe qui bouge. Éteindre la lumière, je l'ai entendu. Elle a fait. Tu veux que j'aille rallumer les lumières? Non, pourquoi? Ah, mais elle a coupé l'électricité là, non? Non, il y a toujours la lumière à l'étage. Personne ne met son... Non, il n'y a rien sur l'interrupteur. Si jamais il y a un problème, on peut rester dans cette classe ou faut se barrer? Non, faut se barrer. Faut pas rester là, c'est la salle où il y a le fantôme. Moi, je me suis caché là, là, tout à l'heure, à la dernière attaque. Ah bah tiens, c'est maintenant d'ailleurs. Éteins ton lampe UV là, s'il te plaît. À part moi. Ouais, faut les éteindre, hein, les gens, les lampes. Faut tout éteindre. Mais, ma lampe, elle est éteinte. Oh. C'est le moment d'aller vers le MF. Le service. Oh, MF 5. Allez. Oh là, il est apparu, il est apparu. Oh,
Je crois qu'il y a quelqu'un de décédé. Ouais. On était dans le couloir en même temps. Il est mort comme un gros caca. Bon, on peut déjà mettre EMF niveau 5. Il n'y avait pas d'autres indices? On n'a pas testé. Oh putain. Oh putain. Non, c'est moi, attaque quoi. Bah, il reste plus que le journal à tester, la spirit box. Le journal, je l'ai mis hein, dans la salle. Il y a rien du tout sur le journal. Il y a que dalle sur le journal. Non mais c'est pas précaution, c'est jamais à l'attaque comme ça, on va rester dans la salle, elle sortira pas. Qui se dévoue pour la spirit box? Pas moi, parce que moi j'ai eu du matos, c'est très cher. Mais ça me fait chier de tout perdre. Je l'ai la spirit box. Lâche-la. Voilà, moi je me cache. Où es-tu? Quel âge as-tu? Attends, je vais mettre le crucifix. Bon, spirit box. Non mais spirit box, les gars, spirit box. Donc maintenant Jean ou Oni, ça va être. Donc un jean, ça va être les orbes fantomatiques. On a tout. Ah d'accord. Ah bah je savais pas qu'il y avait les orbes fantomatiques. Ok bah c'est un jean. Bon bah cassons-nous hein. Non. Je pense qu'on a pas pris de photo. Bah déjà faut prendre le cadavre de du Mister là en photo pour qu'il ait son assurance. Oh c'est bon, on va laisser crever cette sale merde. Oh, t'es méchant. Non, je suis pas d'accord, prenons-le en moins en photo, t'aimerais pas qu'on fasse ça, Rocky. Ah, mais c'est pour la blague, c'est juste pour lui traiter de sale merde. Oh, je sais que c'est une sourasse, mais quand même, quoi. Merde. Je sais pas. J'entendais pas de sourire. C'est tellement stupide. Derrière toi. Ah. J'ai entendu sans même avoir le casque. Enfin, sans même que ce soit. Oh putain! C'est l'appareil photo. Bah non, personne l'a pris. On aurait pu prendre des bougies. Bon. Caché là toi. Eh oui. Quelqu'un
a pris le cadavre de Mathis déjà, ou c'est où faut que je le prenne là? Prends-le, prends-le, nous on est en bas. Ouais, on est en bas nous. Connasse! Le chasse! C'est pas ça. Le chasse à Dragonlichère. Un peu comme. Non. Bonjour! Non, bon, je sais plus. Allez, les enfants, tous en rang. Allez, on s'assoit tous à son siège là. Aujourd'hui, on va faire un cours de dessin. J'arrive. Vous avez pas trouvé de trace ADN? Non. Allez, on s'assoit tous. Donc les enfants, comme convenu, aujourd'hui on va faire un cours de dessin. Ta gueule. Éteins ta putain de lumière. Et voilà, mais oui. Éteins ta putain de lumière. ATP, je suis mort, il vous a couru dessus en ligne droite. Mais non, mais aussi s'il éteignait sa putain de lumière là. Sérieux, c'est ça qui nous a fait cramer. Non, mais c'est surtout qu'il a fait un vacarme fou. En fait, il vous a couru dessus bien avant. Ça nous fait griller ça, les lumières si on les éteint pas. Hein. C'est ça qu'ils ont pas compris, les gens. Non mais t'inquiète, en vrai, même avant la lumière, ils vous pouvaient tuer tout droit. Ils vous ont entendu. T'as pu le prendre en photo ? Bien que c'est un jean, hein, Mathis. Mais là, sous le bureau, on va prier. Mets-toi. Argent perdu. Mais TP, je comprends pas, nos lumières étaient éteintes, hein. Non, il y avait une torche qui était allumée, moi que je voyais clignoter. Bah pourtant non, ma torche était éteinte, j'étais dans un coin, ma torche était éteinte. Ah, je me demande si c'était pas celle de Petit Pomme, c'était au niveau du bureau du milieu où était Petit Pomme. Alors, je l'ai dit à TP, mais il vous a cramé même avant les torches. Il vous a couru dessus tout droit, il vous a entendu. Enfin, il a entendu Poppers, il gueule. Il avait pas commencé à attaquer quand il parlait. Normalement. Ah si, au moment où j'ai commencé à le voir, Poppers parlait toujours. Ah, c'est peut-être le moment où j'ai dit ta gueule. Ouais. Remarque. C'est ça clignotait. Je comprends pas, j'ai mis. Et pourtant, j'avais mis un crucifix quoi.
mais dès que ça enfin, clignote, bref, les gars, faut plus parler, faut éteindre tous ces appareils, hein, que ce soit Spirit Box, EMF ou quoi que ce soit. Si vous voulez, j'ai encore l'école en professionnel, là. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'école en professionnel? Par contre, j'ai le seum d'être mort, je me suis fait coincer par la putain de... Le putain de casier par terre. Ouais, t'es mort comme un caca, Mathis, en plus. Ta mort était très drôle. TP, on a l'impression qu'il était allongé. Mathis, bah, je me vois pas. Ta photo, elle est ici. Pour moi, ta photo, elle est en bas, là. Tu sais que je me vois pas sur la photo. Ah bon? Bah, c'est pareil, la photo que t'as fait de moi, elle était invisible. Hein. J'étais invisible dessus. Ah, bah non, par contre, TP, je te vois sur la photo. Mais tout ça sur... C'est quand même pour moi, TP, il est mort. La mort de TP, il est comme ça. Mais la mort de Mathis dans le couloir, elle est... Non, ça, c'est TP qui a pris la photo-là. Moi, la mort, quand j'ai pris Mathis, c'est cette photo-là. Il est mort comme de la merde. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Qu'est-ce que t'as mis? Qu'est-ce que t'as pas mis? Bah, bon, dites-moi. Je pense qu'on a tout ce qu'on a besoin au minimum, là. Je pense qu'on a besoin, on a besoin que de ça, hein. Ça suffit. Hein. Largement, mais bien sûr. Après, tu veux rajouter quoi? Moi, je vois pas ce qu'on pourrait rajouter. Bref, allez, go. Ouh, Splinkro est déjà là avec la rousse. Oh, et Power aussi, tout le monde est là d'un coup. Mais qu'est-ce que c'est pas possible? Tu sais qu'à chaque fois, c'est... Marcher dans du sel, en fait, empêcher de chasser avec un crucifix, en fait, et assister à un événement paranormal, David, répond à tout le monde. En fait, TP, on... Comme je te dis la dernière fois, la map est très chargée, du coup, c'est bon. Prenez les caméras frontales ceux qui veulent. On a j'ai mis deux caméras frontales. Bon, on devrait arriver, c'est un chef de chasse avec les crucifix. Bon, qui c'est qui a pris mon EMF? BDP. Réponds à tout le monde. Non, je vais pas prendre une caméra. Il y en a un qui se dévoue pour prendre la caméra frontale. Ou du moins, prendre une des caméras frontales. Voilà, mon EMF il est là. Je suis du professionnel. Oh bah super. Nickel, du coup moi je vais prendre le détecteur. Est-ce qu'il faut détecter ou pas? C'est David Davis. Je vais prendre un détecteur. Salut TP. Vous avez bien la clé? Prenez la clé. David Davis, êtes-vous là? Y'en a qui sont... Donnez-nous un signe. Squall et Spin partaient en haut, moi et Grogu on va faire le bas, au pire. Ou au pire on s'en prend, on s'éparpille partout. Comme tu veux. Comment il s'appelle le fantôme? De en haut ou de en bas. David et Davis. Comment? David Davis. David Harris. Davis. Oh là là. Eh, hey, les oreilles c'est comme le cul, ça se lave hein. Ta gueule avec la radio on comprend rien. David Davis, donnez-nous un signe. David Davis. Essayez de trouver une table de Ouija. On va se trouver avec les chouettes. Non, je vais essayer de la trouver justement. Si ça se trouve, elle va peut-être être comme tout à l'heure dans les chiottes. Moi, je vais essayer de regarder dans le cul de Mathis parce qu'il me colle, peut-être qu'elle est. Oh, ça colle un peu à l'intérieur quand même. Je suis en haut. À l'étage. Attends, j'arrive. Je vais venir te accompagner. J'arrive vers la salle de tout à l'heure en fait, quasiment. Je recherche une table de Ouija.
elle est là. Tu vas aller voir dans les chiottes. Affirmatif. La vraie question, est-ce que Squall es-tu encore en route? Oui. Et il y a un téléphone à l'étage. Ouais, ça doit pas être très loin de moi. Je suis après les toilettes. Je vois pas de table de Ouija. Fuck. T'es où, Johan? Bah, ah, j'ai trouvé la table de Ouija. Non, j'ai rien dit. C'était un putain de panneau, attention, sol glissant. Mais ça ressemblait de loin. Je te vois pas. Bah, moi je t'entends en tout cas. Je suis à côté de la salle où on était, où on avait le fantôme tout à l'heure. Mais vraiment à côté, hein. Ah ok, bah ah, c'est bon, je te vois, t'es là. Ça c'est moi. Ah merde. Je suis là, là, oui, au bout du couloir, là. C'est bon, je te vois. Ah, non, c'est toujours pas une table de Ouija. Elle est où, cette foutue table? Il y en a une, quand... il doit bien y en avoir une, quand même. Ah, j'ai la preuve ADN ici. Est-ce que... Attends, attends. Quelqu'un a l'appareil photo, là, sur lui? J'ai la preuve ADN. On a la preuve ADN dans la classe où on s'était caché tout à l'heure. C'est la classe, la preuve ADN? Oui, c'est ça. Il y a une porte qui est fermée. Non, j'ai pas. Quelqu'un a l'appareil photo ou pas? C'est aussi simple que ça? Non, non, je sais pas. Bah, si on l'a pas, c'est pas grave. Au pire, on la prend et puis tant pis hein, pour la photo. Et Romain, tu réponds un jour? Elle prendrait quoi? Bah, on te demandait s'il y avait pas la photo. Et si je réponds pas, c'est que je l'ai pas. Ah, il y a un évier qui s'est déclenché quelque part. Non. Si, 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 j'ai entendu un évier. Mais non, c'est moi qui me fais tellement. Ouais, je suis entendu. En fait. Ah, ok. Putain, j'ai eu peur, ça a clignoté là, la lumière. David Davis. David Davis, est-ce que vous êtes là? Donnez-nous un signe. Tu vois là déjà c'est long pour trouver dans où est le fantôme. Alors imagine dans l'asile où il y a plus de 100 pièces à explorer. Lol. C'est ultra compliqué en fait. J'ai pas trouvé de table de Ouija hein, ici. On n'a pas trouvé de table de Ouija les gars.
Vous trouvez la salle, vous êtes où? Vous êtes en train de checker en haut, c'est ça? Ouais. Yes. Essayez de checker en bas, peut-être. Parce que le problème, c'est que moi, je peux rien garder tant qu'on connaît pas la salle. Non, on revient sous nos pas là. Non, mais je sais, mais. Quelqu'un l'a pris d'après la DL. On va la prendre parce que. C'est quand même de l'argent. Ça nous fera 45, hein, mine de rien. Oh, on a. Ah, téléphone. Oh, putain de téléphone qui a sonné. Il est en haut ou en bas? Il est en haut, il y a un téléphone en haut, une ou deux salles après moi. Ouais. Et où est-ce que tu es toi? Bah t'es là, voilà, on l'a trouvé. Donc il est dans le secteur. Ça peut être celui-là le téléphone. C'est pas celui-là le téléphone là parce que... Pardon. Bah j'ai éternué. Mais y'a des bruits de porte qui s'ouvrent là. Ça va, mollo, Kaira? Tu veux que je te m'arrape ta tronche ou quoi? Ici. Quoi? Il y en a juste en face, je vais fermer, 5 degrés. Donnez-nous un signe. David Davis, m'entendez-vous? Ouais, Spirit Box, on a entendu. Il a répondu à Spirit Box. Oh putain! Il est là-bas! Vite, dégagez, il arrive! Mais il nous attaque pas. Ah mais il s'approche de nous. Oui mais il t'attaque pas donc il va rien te faire. Oui si il t'attaque pas je pense qu'il va rincer. On l'a entendu marcher de toute façon. Toi c'est... TP qui est en full panique. C'est con parce que personne n'a l'appareil photo en fait. Le missile est à combien? En fait, le gars il est dans les cuisines quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Il était à combien ton DMS? Je sais pas, je me suis barré avant, il était à 2. Oh. Ah, il est là-bas! Je le revois encore! Ah, il est encore là! Oui, il est encore là, 3 degrés. Ah, mais il s'approche de nous! Mais il va pas vous tuer, il est pas en chasse! Ah bah tiens, EMF5 EMF5, les mecs, EMF5. On a deux indices. On a EMF5 et... Fermez cette putain de porte là par contre. Voilà. Entendu. EMF5 et Spirit Box. Voilà. J'ai mis une caméra juste devant pour être sûr. Automatique qui passait, mais ça restait que sur la fenêtre, donc c'est très bizarre.
Ouais, c'est limité. Ça, ça agit comme une orbe automatique. Regarde la fenêtre à gauche. La fenêtre à gauche, regarde la fenêtre à gauche. Des moments, ça fait comme s'il y avait une orbe fantomatique qui passait. Mais c'est que sur la fenêtre, donc c'est très bizarre. Mais j'ai vu trois fois apparaître sur cette fenêtre, donc pas du tout. Les gars, je suis paumé. Peut-être pas impossible. Hein. C'est quand même très bizarre que ça reste uniquement sur la fenêtre alors que ça agit comme une orbe fantomatique. Et c'est très bizarre que ce soit que sur la fenêtre. Je vois ce que tu veux dire. Les gars, je suis paumé dans ce dédale de couloir. Je trouve plus l'escalier. Bon, tu peux pas le louper, hein. Tu retomberas forcément dessus à un moment donné. Ouais, mais bon, le problème c'est que je. Ah, putain de pute. Ah. T'as vu le fantôme? Fais gaffe, il a un pic de 7, hein. Arrête, me dis pas ça. Il est redescendu à 4. Il remonte à 5. Je me casse, je me casse, je me casse, mais du problème c'est que je trouve plus les escaliers de merde. Pourquoi j'ai plus le MF? T'as dû le jeter. Non. Bah non, je l'ai pas jeté. Peut-être jeter alors, je sens m'en rendre compte, je sais pas. Petit pomme, t'es où? T'es encore à l'étage là? Oui, je te vois. Ouais. T'arrives aux escaliers là, à ta droite. Continue à avancer là, à ta droite. C'est possible que ce soit un jean vu la description que. Vu la description qu'on a du fantôme. Ensuite là, une fois que t'es descend, tu descends, tu vas à gauche. Non, remets l'autre là, remets. Voilà, à gauche et tu vas revenir sur le grand hall principal. Je pense que c'est après, un jean. Mais par contre, j'ai toujours pas réussi à avoir des orbes automatiques. C'est un jean ou un oni? L'oni c'est quoi? Non, je pense que c'est. Je pense l'oni, que c'est un c'est jean. Des écritures. Faut regarder s'il y a un truc dans le bouquin. Faut que le bouquin, je l'ai mis dans la cuisine. Là où il popait en fait. En tout cas dans les mains. On vient de voir marcher. On l'a vu, il a une masse dans les mains. Oui, bah je l'ai bien vu, oui. T'inquiète pas, je l'avais en face de moi à un moment donné. Je sais pas, moi je l'avais pas vu. Ouais, moi aussi je l'avais vu, il a une sorte de masse de baseball ou je sais pas quoi. Ah oh, putain, il est où Je le vois plus. Mais arrêtez ah. Non mais arrête. Non mais TP, vas-y fais-le. Je le vois plus. Il est là dans le coin. Il est dans le coin, il est dans le coin, il est dans le coin. Merde, j'ai pris une photo pour rien. Dans le coin? Tu le vois où? Dans le coin? Dans quel coin? Ah là-haut, ok d'accord. C'est bon, Johan, c'est fini. Là, c'est en face de toi. Bah, tu voulais que je sois où? Dans ton cul. Ah, ta gueule, toi. Bon, que fait-on? On pourrait aller prendre la preuve ADN en photo. Elle est loin du fantôme, du coup c'est pas trop risqué. Non, je l'ai pris la preuve ADN. Hein. Il y a des orbes automatiques, je vais en passer une. Il y a quoi comme preuve? J'ai vu une orbe au plein milieu de l'écran là. Tu l'as vu sur la fenêtre? Ah oui. Je confirme, orbe, je confirme. Putain, j'ai rien vu. Bon bah mettez sous le jean puis vous dites que c'est bon. Oui, il est avec nous.
Oh oui, la belle orbe. Ah oui, oh, belle, là, belle. Je l'ai vu là. Bah, alors du coup, il y a quoi comme quoi? Il y a orbe fantomatique, spirit box, il y a eu MF ou pas? Oui, MF5. C'est un jean. C'est un jean comme tout à l'heure. Il y a du jean, de la vodka. Vous voulez faire les objectifs quand même? Après, il faut juste mettre du sel devant la salle du fantôme. C'est un peu risqué. Vous voulez y retourner, vous? Je te baise. Vous voulez y retourner? Bah, carrément. Si on peut au moins réussir. Prenez un appareil photo alors. Prenez un crucifix, moi j'en ai pris un. Carrément dehors. Évitez de courir, ça l'affolera peut-être moins. Je sais pas, ça a une incidence. Quelqu'un prend les cachetons aussi qu'il y a, tant qu'on y est. Arrêtez de jouer avec vos lampes là, s'il vous plaît, c'est énervant. Allô? Arrête de jouer avec ta lampe. Oh, Mathis, le relou. Je vais parler sur le jeu. Je te baise. Bon, allez, on est à zéro, on va y aller. On va aller mourir. C'est parti. Pour la fois, j'ai un crucifié et un appareil photo aussi. Hein. J'ai le même stuff que toi, TP. Hein. Évitez de courir. Hein. Enfin, sauf là maintenant pour se réfugier dans une salle rapidement si jamais il attaque tout de suite. Mais. Ouvrez toutes les pièces que vous croisez devant vous. Déjà, comme ça, moi, ça ne va pas gagner du temps. Normalement, on les a déjà ouvert les pièces. Théorie. Oh non, putain! Je crois que Petit Pomme est mort. Non, non, personne n'est mort. Si, il y a quelqu'un qui est mort parce que j'ai entendu quelqu'un se faire étouffer. Donc, si, il y a quelqu'un qui est mort. En fait, si, il vient de mourir à l'instant. Pardon. Mais en même temps, quelle idée de se cacher dans le gymnase? Ah non, c'est pas le gymnase, c'est une grande salle de classe. Il est où? Il était en bas? Non, mais il était là. TP, tu me fais une photo surprise? C'est vrai, je suis attaqué en bas. Affirmatif. Je suis pris en photo à côté du cadavre. Ouais, c'est bon, cadavre, ça l'a pris en compte. Vous êtes sûr que vous allez retourner là ou? C'est bon, je vois sur la caméra. Il est où le générateur, Matisse? Il est de l'escalier en bas, mais l'autre. Ah merde. Faudrait le couper. Pourquoi tu veux couper le générateur? Parce que le courant empêchera le djinn d'utiliser sa capacité. Ah, c'est malin. TP, je confirme que t'as lâché ton EMF. Ah ouais. Ah bon, bah écoute. Non, il est pas là le truc, Matisse, t'as fumé ou quoi? Il est où le générateur? Il est sous le deuxième escalier. Bah je suis sous le deuxième escalier. Bah normalement il est là le générateur. Bah non, j'ai rien moi. À gauche. Non, tu y es. J'ai rien du tout.
la TP t'es pas en dessous? Si, je suis... là je suis justement caché sous le... sous le... l'escalier là en fait. Littéralement, j'étais caché sous l'escalier, je n'ai absolument pas de générateur. Attends. T'es sûr que tu regardes le bon endroit? Non, il est pas là! Non, il est pas là, il est pas là, monte! Monte l'escalier! Non mais t'es fait, sors, j'ai placé tous les éléments, sors. T'as quoi? J'ai déjà tout placé au niveau de la salle du fantôme. Ah ok, bon. Caché dans la seule salle de classe où il n'y avait pas de porte quoi. T'inquiète pas, je t'ai vu. Ouais bon, je suis vivant et indemne. Il y a marché sur ce putain de sel ou pas? Tout ça pour rien quoi. Bah c'est très chiant, j'ai mis à l'entrée de la salle où il sort de base quand il attaque, mais... Il bouge des salles des fois ou pas? Enfin, je veux dire... Non, c'est la salle presque... Non, non, il peut pas. Ouais, bah, du coup... Peut... Pour les attaques, il peut, mais c'est de sa salle où il va tout le temps spawn. Quand il va spawn toujours dans la même salle en fait, en général. Ok, ok. Bon bah... vous avez mixé un jean. On va se barrer. Oui, j'ai mixé ouais. Un jean. J'espère que Johan t'aime bien mixé un jean. Putain mais je suis deck, je sais pas comment il a fait pour me voir. Et l'assurance n'a pas marché. Est-ce que t'avais mis des objets? C'est quoi l'assurance? Bah bien sûr que oui, j'avais mis des objets monsieur TP. Oh putain, j'avais pas mis grand chose, ça va. La vache. Ça va, j'avais pas mis grand chose.
peut-être pour ça que t'as pas eu d'assurance. Parce que t'es une merde. Il a pris deux cadavres. Mais putain, par contre, je sais pas comment il a fait pour me buter parce que j'ai fait aucun bruit. Mais. Bon, qu'est-ce qu'on a comme contrat, petit pomme? Je vais vous dire ça maintenant, monsieur. Perso, je vais arrêter ici. On a encore le hard school. On a encore l'école en intermédiaire cette fois-ci. Après, on a une petite maison en amateur. Si ça va, on va prendre des petits. Bah, après, j'ai que des petits contrats avec des petites maisons en amateur. T'as que un amateur? T'as pas de professionnel? Non. Bah, sinon, on restart une partie. On voit ce qu'on a. Sur un amateur, ça nous amène plus grand chose. Non, mais sinon, on fait une amateur. On fait une amateur, c'est bon. Bon, vas-y, ouais. Allez, rallye comme ça. Ouais, vas-y. Ouais, hop. Moi, je suis prêt. Hein. Moi, je mets pas de stuff. C'est quoi que. Ouais. Bah, l'idéal, c'est que dans les 5 minutes, on est déjà l'identité du fantôme. Et. Qu'on n'ait plus qu'à faire les objectifs après les 5 minutes, quoi. À la limite. Ça peut être intéressant. Ouais, on rush. On a. Alors déjà, moi, je vais dire un truc. Le premier truc que moi, je me fais, déjà, je prends une caméra. Je prends la caméra et je prends le lecteur EMF. Eh, hey, le EMF, c'est à moi. Bon, mais... Eh ben, alors, je prends la Spirit Box. Ça, ouais. Ça me va. Ça. Alors, empêcher de chasser avec un crucifix, photo du fantôme, trouver les preuves de paranormal, répond à tout le monde et il s'appelle Joseph Moore. Donc l'idéal, c'est qu'on prenne la photo du fantôme pendant les 5 minutes, là. Clairement, comme ça on est safe. Donc va falloir l'énerver à donf, hein, le gars. Donc je dis que moi je m'occupais de la caméra et je prenais la Spirit Box. Qui c'est qui m'a piqué mon EMF? C'est pas vrai, je prends la cam. C'est pas moi parce que moi j'ai la caméra et le spirit box. Là, je prends l'appareil photo, pardon. De quoi tu parles? Ton EMF il est là, TP? Ouais, c'est toi qui l'a piqué, hein, parce qu'il est à côté des crucifix normalement. Hein. Grosse catin. Ouais. Allez, vous êtes prêts? Je m'en fous de l'EMF. Prends l'EMF, TP, prends l'EMF. Non, j'ai pris l'appareil photo, je vais essayer de le prendre. Par contre, faut vraiment le faire apparaître, quoi. J'en ai pas besoin. Si vous trouvez, moi j'ai pris le livre fantomatique, le livre d'écriture fantomatique, et en général je pense ça et le MF. Qui c'est qui a pris le thermomètre? Quelqu'un a pris le thermomètre? Il s'appelle Joseph Moore. Joseph Moore. On y go, allez. Allez, go. Perds pas de temps. Ah, c'est cette maison là en plus, parfait. Joseph Moore, êtes-vous là? Joseph Moore, donnez-nous un signe. Joseph Moore, si vous êtes là, faites-nous un signe. Apparaissez, Joseph Moore. Joseph Moore, si vous êtes là, faites-nous un signe. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe, Joseph Moore.
Joseph Moore. Joseph Moore. Apparaissez devant nous, Joseph Moore. Quel âge avez-vous? Joseph Moore. Spirit Box. Joseph Moore. Joseph Spirit Moore, Box, oui, il y a la Spirit Box, j'ai entendu aussi. Joseph Moore. Joseph Moore. Donnez-nous un signe. Joseph Moore, donnez-nous un signe. Joseph Moore. Joseph Moore. Sur cet atelier. Je t'avais dit de ne pas toucher l'atelier, Joséphine. Joseph Moore. Joseph Moore. Je vais au camion pour rester des ordres automatiques. Joseph Moore. Donnez-nous un signe, Joseph Moore. 5, je crois avoir vu 5. Ah non, 4. Joseph Moore, donnez-nous un signe, s'il vous plaît. Joseph Moore. Excitez-le, ça marche. Pic d'activité à 5. Joseph Moore. Joseph Moore. Je crois que je l'ai eu. Oui, il était devant moi. Ah, le fantôme. Ah putain, non, ça a pas marché. Joseph Moore. Il est apparu Joseph Moore. Devant moi d'un coup. Oui, il est apparu devant toi, mais... Joseph Moore. Joseph Moore. Poltergeist. Joseph Moore. On a des pics d'activité à 10 là. Joseph Moore. Température glaciale. Joseph Moore. Joseph Moore. Arrête de faire bouger l'objet devant moi et apparaît, Joseph Moore. C'est bon, je l'ai. J'ai la photo du fantôme. J'ai la photo du fantôme, c'est bon. J'ai réussi à avoir la photo du fantôme, c'est bon. Donc on a température glaciale, Spirit Box, et c'est quoi le dernier? Orbe fantomatique, t'as dit qu'il y en avait? Ouais. Oui. Parfait. Et bah écoute, on a la photo du fantôme, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir, donc... Il reste plus qu'un truc à faire, c'est... C'est le crucifix, faut attendre. Bah oui, faut attendre maintenant. Je vais essayer de chercher la preuve ADN pour la prendre en photo. Si vous la trouvez, vous me le dites. Je pense que ça doit être à l'étage parce que j'en ai rien vu de, par terre. Et on en est où du compteur? Parce qu'on l'a pas mal vénère là quand même. Une minute 40. Ok, bon ça va, on est large encore. On en est où au niveau timer, s'il vous plaît, par contre. Faut vraiment me dire où on en est du timer. 1015. Ok, bon, je devrais avoir le temps de faire le reste des pièces à l'étage. Vous avez rien vu en preuve ADN en bas parce que moi je vois rien à l'étage. Non, moi j'ai rien vu. C'est pas possible, elle est en bas la preuve ADN. Obligé, elle est en bas. J'ai rien vu en haut. Ou alors j'ai loupé, mais. Ma seconde, vas-y, on sort. Pourquoi tu veux sortir? Il attaque pas, on peut rester, c'est bon. On risque rien. J'ai pas regardé en bas. Est-ce que t'as pensé à regarder en bas où il était le fantôme? En bas, non, j'ai rien vu moi quand j'y étais, sinon j'aurais fait la remarque. Je l'ai pas vu dans le garage non plus tout à l'heure quand j'y suis allé. On a le jus qui est là, tiens d'ailleurs. On va savoir. Là y'a rien. Ah merde, elle est bien quelque part cette preuve ADN. Ou alors j'ai raté un truc là-haut, mais ça me paraît pas possible quoi. Ça me paraît
compliqué, tu peux pas la louper quoi, la preuve ADN normalement. C'est un os quoi. Ah, les gars. Oui. Je l'avais trouvé. Où ça? Elle est où? Elle est où? Je l'avais trouvé, elle était en bas dans la cuisine comme un con, j'ai fait E partout et puis j'ai ramassé comme un con. Ah, boulet. Non, c'est mais viens voir où est-ce qu'elle était, c'est pour ça qu'on l'avait pas vu, viens voir où est-ce qu'elle était. Elle était là, tu vois, elle était là, sous le tapis, ici, et tu voyais juste un petit bout de blanc passer. D'accord, okay. Donc c'était vraiment chaud pour le voir. Tant pis. Non mais c'est pas grave, du moment qu'on l'a, c'est bon. Quoi, c'est bon. Non mais il nous manque encore... Il nous manque le crucifix. L'objectif en plus, ouais. J'en ai un, moi j'ai les deux sur moi du crucifix. Hein. Mais faut aller les faut poser. Les poser. Faut les poser. Ah, putain, mais oui, mais en même temps, je sais pas où est-ce que vous voulez que je les pose. Bah au sous-sol. Dans la salle du fantôme. Et s'il attaque? Vas-y, à toi l'honneur. Je vais en mettre un à l'entrée dans les escaliers, non? Mets-en un là parce qu'il a pas il est apparu là tout à l'heure, voilà, sur ce truc là là. Et un là-bas, ouais. Et maintenant on se cache. Éteins bien ta lampe torche, s'il te plaît. J'ai ta lampe torche. Et j'adore le zboob. Oui j'adore. Crucifié du marché. Je sais pas. Là, l'activité est toujours à 10, elle est constante à 10, mais ça clignote pas, donc je sais pas quand. Il est un peu bizarre ce fantôme. Ouais, activité à 5, et pour le moment, l'objectif n'est toujours pas. T'es dans le placard. J'ai peur. L'activité nous a fait un truc médical. Non mais on l'entend en fait parce qu'il est en train de balancer des objets. On entend les objets tomber en fait. Et j'adore le zboob. Oui j'adore le zboob. Et j'adore le zboob. Oui j'adore le zboob. Et j'adore le zboob. Oui j'adore le zboob. Coucou, tu veux voir ma bite? Attends, on l'entend. Mon amour, j'ai froid. Moi aussi. On en est où du pic d'activité là? De quoi t'es fait? Le pic d'activité, on en est où? Et j'adore le zboob. Activité à 8 et 1 et 2. Les crucifix sont-ils posés à 0? De quoi? Oui, ils sont posés les crucifix. Hein. D'accord. Salut bonhomme. Oui, c'est vrai. Coucou. Tu veux un bisou? L'activité est toujours à zéro.
Et sans faire en ça. Attention que ça monte pas un coup, un gros coup à 10. Hein. T'es encore dans la maison ou pas? Bah oui. Ouais. On est caché dans les placards au sous-sol. Ah, d'accord. L'activité est à 1. On l'entend ouvrir les portes. Il s'appelle comment déjà? David Davis, non? Non, c'était celui d'avant, ça. Joseph Moore. Oui, Joseph Moore. Voilà. Joseph Moore! Viens voir papa! Activité A1. Donnez-nous un signe, Joseph Moore! Joseph Moore, est-ce que... Oui, j'adore le zboob. Oui, j'adore le zboob. Ben voilà. C'est bon. C'est pas sur 120, normalement on t'entend pas mourir à la radio. Ils ont sparché les crucifix ou pas? Non, il n'est pas grisé l'objectif. Sérieusement, mais attends, on l'a entendu marcher devant nous là. Il y a les crucifix en plein sur le machin, il aurait pas pu le louper. Ramenez dans le camion, ramenez dans le... Fait l'objectif ou pas là? Non, l'objectif il est pas fait, mais peut-être que quand vous reviendrez au camion il sera fait, il sera validé. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, sors. Tu l'as posé là le crucifix. Un coup. On va essayer de la faire attaquer une dernière fois. Joseph Moore. Merde. Dépêche-toi quand tu veux. Joseph Moore.
joue rien, l'objectif là. Putain, c'est pas possible. J'ai une idée, je vais mettre une lampe torche par terre au pied pour la tirer. Non, 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 surtout pas. Surtout pas, tu vas nous faire griller si tu fais ça. Non, mais je vais pas la mettre devant le placard, je sais. Je vais le mettre au niveau du. Non, mais même. Des crucifix. Le deuxième crucifix, tu l'as mis. Ouais, tu l'as mis là. Ouais, il devrait pas être mal là pourtant. Chelou ça. Au pire, mets les deux dans la même pièce. Je suis pas sûr que ça changera grand chose. Bon, je sais pas, je propose. Hein. Activité état 2. Le crucifix a marché, vous pouvez. Allez, on se casse vite. Vite. Activité A5. Merde. Allez, TP, vite. Nice! Voilà. Bah la lumière a clignoté, ça s'est arrêté tout de suite, donc je me suis dit que le crucifix avait marché. Bon, vous avez tous mis que c'était un cauchemar, c'est bon? Oui. Dommage que c'est qu'un amateur. C'est dommage cette école amateur. Ouais mais bon c'est pas grave, ça fait toujours d'un peu de thune. Ça fait de la thune ouais. Bon ça fait un level aussi. Et à rendre. Bon moi je pense que je vais m'arrêter là, parce que je vais pas tarder à aller faire dodo. Donc je vous souhaite... Je pense que je vais m'arrêter là, petit pomme. Je vais m'arrêter là aussi. Parce que je vais aller faire dodo bientôt donc... Je vous dis bonne nuit, les petits. Bonne nuit, TPA! J'ai un petit son de la fin quand même. Que je dois avoir, mais alors, je sais plus où il est. Voilà, donc je vous souhaite une. Bonne nuit. C'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de boire rêve pour oublier vos ennuis. Bonne nuit. C'est l'heure d'aller au lit. Le temps de beau rêve, c'est le cinéma gratuit. Allez, ciao, bonsoir.